Ah, j'ai compris. Moi, il faut que je quitte. Voilà, c'est ça, c'est bon. Oui. Bonjour. Alors, moi, j'ai 62 ans. J'ai été diagnostiquée basse d'eau il y a 6 ans et demi. Au départ, je traînais des courbatures, beaucoup de faiblesse musculaire. C'est-à-dire que, par un exemple simple, j'allais aux toilettes, je ne pouvais pas me relever. J'ai m'appuyé sur la douche ou le lavabo. J'étais très faible. Amaigrissement, un fort amaigrissement. Et puis des douleurs très importantes aux yeux. Donc, j'ai laissé traîner pendant, allez, un an. J'étais vraiment après forte pression des amis, l'entourage. Je me suis décidée quand même à consulter. On a fait le bilan sanguin et là, on a trouvé l'hyperthyroïdie. Donc, j'ai commencé le néomercazole, les bilans sanguins toutes les semaines. Et ce, pendant presque un an. Après, bon, ça s'est espacé. Mes anticorps ne baissent pas. Et au jour d'aujourd'hui, 6 ans et demi après, j'ai toujours des tracts. Je suis passée de 55 kilos d'un poids normal. En hyper, j'ai atteint 48 kilos. Donc là, c'était sévère. Et maintenant, 6 ans et demi après, j'ai 20 kilos de plus. J'ai alterné hypo, hyper, lévothyroxine et néomercazole. Depuis 3 mois, bon, ça se stabilise, la TSH se stabilise plus ou moins, mais bon, j'ai des insomnies, j'ai de fortes douleurs aux yeux. Et le pire, c'est l'exophtalmie de grade 2, confirmée par des IRM sur Paris. Donc ça me gâche la vie sociale. Bon, la vie professionnelle, on n'en parle plus parce que je suis à la retraite, mais j'aurais pu continuer. J'étais relations publiques. Donc mon image, c'était ma carte de visite, ben c'est foutu. Les enfants, un exemple aussi, les enfants, les petits-enfants pensent que je suis une sorcière. Donc c'est une maladie très très difficile à vivre, qui n'est pas très comprise parce qu'on a beau expliquer, bon, ça se voit pas forcément. Hein, je marche, je fais attention à moi, donc je suis habillée convenablement, je parle normalement, j'ai mes facultés, mais le visage, c'est plus moi. D'ailleurs, je ne me regarde plus jamais dans un miroir et je porte des lunettes noires quand je sors. Et je sors quand je suis obligée. Voilà un petit peu le résumé de ce qui me concerne.